Hey, salut à tous, c'est Enjoy, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Let's Play sur Devil May Cry 3 ou Devil May Cry 3. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait buté des démons qui voulaient notre pizza. On avait complètement démoli notre bureau et on avait pété la gueule à un monstre qui se téléportait et qui ressemblait étrangement au faucheur. On avait aussi plutôt retrouvé notre frère jumeau Virgile. Et on va le poursuivre, on va remonter à sa tour et on va essayer de le buter si c'est ça l'histoire. Je crois qu'elle sera un petit peu courte. Bon, je crois pas que ça soit ça l'histoire. Bon, eh bien on va commencer. On va commencer pour la troisième mission suivante. Devil May Cry 3, ça je sais que c'est le titre, merci. Le chargement le plus long du monde. Cinématique. I come. Well, doesn't it excite you? The Temenegru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. J'ai ri. Pourquoi? Parce que si vous avez pu le voir pendant la cinématique, lorsque cette fille qui cherchait Virgile est partie avec sa moto pour en brûlant les démons derrière elle, les démons avec les flammes a fait un 3. Si vous l'avez pas vu, bon, voilà. Donc Virgile est complètement craqué, qui a réussi à couper en deux le boss qu'on venait de tuer. Donc mission 3, introduisez-vous dans la tour. Personnalisation d'abord. Apprendre de nouvelles techniques. Oh oui, je peux enfin apprendre. Je vais apprendre Stinger. X détail. Coup de stock rapide qui embranche l'ennemi en plein centre. Maintenez RB enfoncé et appuyez sur Y en inclinant le stick analogique vers gauche, vers l'avant. Oh cool, j'apprends. Nouvelle aptitude est désormais disponible. Voilà, et je vais prendre un objet. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'eau bénite? L'eau bénite. Ça, c'est quoi? Pierre bleue magique faite d'énergie vitale cristallisée. Et augmente le maximum de vie. Oh, c'est trop bien ça, je le prendrai sûrement. Sphère jaune. Rappelle les âmes perdues. Alors, ça, je vais en prendre une. Oui, je veux. Et je vais prendre une étoile de VIP. Voilà. Parce que je crois. Je ne sais pas, mais je crois que ça sert à revivre si on est mort. Je suis pas sûr. Mais peut-être que c'est ça. Retour. Mission 3, introduisez-vous l'un dans la tour. Début de mission. Hmm.
Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Wow! Mais calmez-vous les gars! Je vous ai rien fait déjà! Alors déjà... Mais c'est qui est bloqué de missile là? Ok, attendez, j'arrive mal. Attention. Hop. Et hop là. Aïe. Hop. Donc. Voilà. Enfin mort. Il m'a fait chier celui-là. Oh là. Wow! Oh putain, oh. Wow. Ah, c'est bien servi ça. Ah, hop là, esquive. Oh, c'était quoi ce combo? Et bim. Ça, c'est fait. Oh mon dieu, une porte. Je vais pas y aller. Parce que il y a peut-être des trucs en haut. Vu qu'il y a une échelle, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose. Non, il y a rien. Si vous, il y a un truc qui est vraiment que j'adore même sur ce Devil May Cry qui n'y est pas dans le 1 et le 2. C'est le fait de sauter sur les murs. C'est tellement bien ce truc. Il y aurait pas un truc de caché quelque part, je sais pas. Je croyais qu'il y avait un truc de caché. Peut-être. Non. Non, il veut pas. Il y a aucun truc de caché. Allons à la porte. C'est quoi ça? Wow. Ah, je connaissais pas ce truc. Quand vous appuyez sur B, vous pouvez aller super vite. Siopi. Par contre, le truc, c'est que. Appuyez sur B, voilà. Wow. Super effet sur 20. Oh, une porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui. Oh mon dieu, un fusil à pompe, ça va être cool les fusils à pompe. Ah voilà, c'était là où il y avait des trucs de cachet, voilà. Donc, les tonneaux. Cet endroit est une véritable mine d'or à se faire. Tout simplement parce que vous pouvez casser absolument tout. Ça c'est trop marrant. Genre, et bim. Vous pouvez casser les bouteilles et ça c'est tellement bien. J'adore casser les bouteilles. Je suis un casseur de bouteilles, ma... Je me demande à qui appartenait ce bar, par contre, parce que je m'en excuse, lol. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer la porte? Alors, quand il y a une porte bleue, c'est... Ah, voilà. Je suis sûr que c'est un truc ici. J'étais sûr! J'ai dit qu'il y a absolument tout. Et voilà. Donc, comme je le disais, les trucs bleus que vous avez pu voir à cet endroit-là, il faut utiliser un mécanisme pour l'ouvrir. Et les murs rouges, c'est quand vous devez tuer un ennemi, des ennemis plutôt un nombre d'ennemis pour pouvoir ouvrir la porte. C'est tout simple. Alors là, c'est quoi? Le fusil. Fusil de chasse qui s'avère dévastateur à proximité. Oh, c'est cool ça. Comment? Voilà, donc LT, oui voilà, c'est LT pour changer d'arme. Donc je vais prendre les pistolets parce que les pistolets, c'est le bien. Love Planet. Mais cet endroit c'est trop bien! Attendez. Alors je me rappelle plus comment on fait, mais à un moment... Voilà. Ce truc est le truc le plus stylé qu'on puisse faire. Youpi! Oh, you touch my tra-la-la. Attention. Youpi! C'est trop bien. Alors, une porte.
Comme je vous l'ai dit, les murs rouges. What? C'est des momies! C'est des momies qui se téléportent, c'est trop bien! Wow, 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 wow. Tu crois vraiment pouvoir m'avoir, toi? Eh bé, mais bé, eh oui, mesdames et messieurs, vous ne voyez absolument rien. Eh oui. Je suis en train de les violer. Ah, ta ta ta. Et bim. C'était tellement bon. Ouais, je suis en train d'abuser du coup de stock. Aïe. Attention, attention. Et bim. Ah. Et voilà, 2 pour 1. Attention, alors là. Oh, je l'avais pas vu lui là. Ah mais parce qu'il y en a deux. Ah d'accord, parce qu'il réapparaît, c'est cool ça. Aïe. M'en fous que... Ah bon bah, notre sœur The Prime est connectée. Mais... Vous allez arrêter de me faire chier, je suis obligé d'utiliser une étoile de vie s'il ne veut pas mourir. Étoile de vie, étoile de vie, merci. En plus la musique est excellente, moi j'adore la musique. Je vous la laisse, je vous laisse l'écouter un petit peu. Malheureusement j'arrive toujours au mauvais moment de la musique. Wow wow. Et bim. Et bim. Oh c'était... Mais je suis en train de tellement de violer, mais c'est... Et voilà. Le mur s'est cassé directement. Tellement je suis badass. C'est l'histoire du badass en fait. YOLO. Oh oui mesdames et messieurs. Donc on va faire une dernière passe. YOLO. Tiens, c'est tellement bien sympa. C'est tellement sympa ce truc. Donc si vous ne savez pas comment on fait, en fait, c'est simple, vous vous mettez. Voilà. Ah, je savais pas qu'on pouvait diriger la caméra, c'est cool ça. C'est ce que j'aurais dû faire quand j'étais bloqué à cet endroit. Vous vous mettez à l'endroit devant la face à la face au bâton. Et vous faites ça. Et vous mettez la caméra en face de l'endroit où vous voulez aller, ce que je n'ai pas fait malheureusement. Donc là, voilà, tout simplement. Donc on va suivre la trace de sang parce que la trace de sang c'est sympa. 13ème avenue. Ah, la tour. La tour du plaisir. C'est la tour du plaisir. J'en étais sûr. C'est la tour où a été créé Soramat. C'est la tour où a été créé Soramat. J'en étais sûr. C'est la tour du plaisir. Faut qu'il y aille tout de suite. Voilà. Alors, oh, attendez, il y a un truc ici. Attendez. Comment on fait pour y aller ici? Voilà. Ah, alors ça, c'est un cristal de sphère rouge. C'est. Hop. Hop, 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 là. Voilà. Ça sert à avoir énormément de sphères rouges et qui vous permettra d'acheter des objets. Alors, quand il y a un cristal de sphère rouge à proximité d'un endroit, c'est généralement pas bon. Et quand il y a des sphères vertes, encore plus. Oh mon dieu. Fragment de sphère bleue. Fragment de sphère bleue fait de force vitale. Vital, 4 fragments forment un cristal. Oh, mais c'est en fait un quart de cœur. Cool. Toi, on est dans Zelda. Alors ça, il y a un truc ici. Ah non, même pas. Hop. Là, attendez, je vais réfléchir, c'est un truc. Non, non, c'est bon, en fait. Je croyais que ça n'enregistrait pas. Mais en fait, non, c'est juste mon imagination qui me joue des tours. Alors, ici, il y a un truc. C'est quoi ça? Expliquez-moi. Alors expliquez-moi le délire de cet endroit. Alors attendez, peut-être qu'il faut. Non bon, ça ne veut pas. Et ça ne veut pas. Je ne comprends pas le délire de ce truc. Hop, je vais prendre les Ebony et Ivory. C'est les meilleurs. C'est mes armes préférées sur 20. Par contre, ça, c'est généralement pas bon. C'est plutôt bon, mais c'est généralement pas bon aussi.
C'est une statue de dieu omniscient du temps et de l'espace. En lui offrant du sang démoniaque, on peut acquérir le pouvoir des clans magiques ancestraux. C'est complètement stylé, mais c'est plutôt un truc pour la personnalisation qu'on a juste avant de commencer une mission. Donc c'est vraiment, c'est généralement pas vraiment cool. Donc tout simplement parce qu'il peut y avoir un boss juste avant. Changer d'équipement. Bah non, c'est bon. Non, mais c'est bon en fait. Alors, objet. Blablabla. Ah, attendez, je vais prendre une étoile de vie. Eh, mais attendez, je viens de penser. Je peux pas acheter de sphère violette. Ah, c'est chiant ça. Je sais même pas combien ça coûte en plus. Je sais même pas qu'est-ce que ça. Elle décuple les capacités magiques. Oh, c'est trop bien. Ah, voilà. Non, c'était quoi qui augmentait les attaques déjà? Augmente le maximum de vie. Bah, elle va augmenter le maximum de vie. Oui, merci. Bon, maintenant ça va coûter 10 000, ça va être trop cher. Eh bien, on va attendre deux petites secondes. Alors, ben on va commencer, on va entrer dans la porte de lumière. Mince. Voilà, non, je veux marcher s'il te plaît. La porte de lumière, salle du gardien de glace. Oh mon dieu, de la glace, j'adore la glace. Go, 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 go. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais pas aimer ça, bon, j'y vais. Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on, puppy. Let's go. You'll regret this, you worm! It's showtime. Come on. Oh putain, c'est le moment où on va dire let's rock. Alors, attendez. Hop. Hop. Alors, attendez. Hop. Non. Je peux pas cibler ça. Je peux pas cibler ce truc. Hop, hop, hop. T'es bien faire laser de glace. Oh putain, c'est pas bon ça. Putain, pourquoi il rompt? Ah, le mec il part sa glace donc. Le but de ce boss. Raté. Tu es nul, petit chien. Tu es nul. Tu vas perdre ta glace, oui. Voilà, c'est bon. Oh putain. Laser de. Ah, le fait, c'est j'ai foncé dedans. Comme un con. Mais tu vas perdre ta putain de glace. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je vais pas aimer. Là, 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 je ne vais pas du tout aimer. Crève! Ça clébarre! Crève! Crève! Oh bien. Oh putain, il a failli me coincer dans un. Raté! Raté! Oh non, j'étais eu. Attends, pourquoi il ne crève pas? Vous m'expliquez le délire là? Breakdown.
Ouais, je sais, c'est super dangereux tout ce que je fais là, là avec le front. Ok, là c'est le moment où il récupère sa glace, attention. Oh putain! Oula, il devient rouge là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Les gars, c'est pas bon du tout là. Et c'est le moment aussi où... Oh. Ah, j'avais pas... Oh, calme-toi le chien, calme-toi. Putain. Oh putain. Ah, ça fait mal. Putain, mais il fait... Mais c'est abusé les dégâts qu'il fait. Wow, 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 wow. Attendez, on va attendre un petit peu. On va plus attendre. Alors, statue, objet, étoile de vie. Oui, merci. Parce que ça fait quand même assez mal. Wow, j'avais pas vu. C'est bon là. Hop là. Oh putain. Non, c'est pas vrai, il a récupéré sa glace. Putain, le pire. Putain, heureusement que je l'ai évité là. Oh oh. Oh. S'il arrive à battre ses bottes, je suis super fort. Oh oh. Putain, il n'arrive pas à avoir sa troisième tête. Ah, ça fait mal. Putain, je veux pas avoir cette tête, moi. Je veux pas avoir ce bras. Ah, j'espère qu'il va la gagner, parce que là, ce serait un petit peu deg. Ah, ça fait mal, putain de merde. Est-ce qu'elle veut la gagner? Oh non. Mais quand est-ce que... Hop là. Aïe, merde. Oh non, c'est pas vrai. Oui, 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 oui. Continuez, s'il te plaît. Oui. Quoi? Ah non. Oh non. Oh non, j'ai oublié de le refaire. Petite ellipse. Bon, je suis à peu près à l'endroit où j'étais, donc c'était assez dur pour moi de garder autant de... Oh putain. De garder auto là, attention, là il va charger. Donc j'ai à peu près compris la technique de ce boss. Alors là, faut surtout pas, voilà, parce que sinon il va foncer là au moment où il fait ça, il fonce. Donc là j'étais bête de ne pas l'éviter. Hop là, attention. Donc dès que vous êtes prêt, il va faire cette grippe là. En fait, c'est un petit peu en fonction de là où vous êtes et c'est diversion. Oula.
triangle. Hop. Hop. Raté. Ah, il m'a eu là. Hop, hop, hop. Non, tu ne l'auras pas. Viens par là. Viens par là. Allez, viens. Allez, allez, allez. Hop là. Là, là, la caméra est en train un petit peu de s'embrouiller. Allez, viens. Hop là. Allez, viens. Bon, toutou là. Oh là. Tu n'as pas le droit d'utiliser des pouvoirs de glace, tu sais. Et hop là. Là, j'y arrive bien, attention. Oula, attention. Là, je vais juste utiliser un objet. Et tout... Quoi? Mes étoiles de vie, elles ont été mortes? Ok, super. Ça va pas vraiment le faire, ça, par contre. Par contre, si les étoiles de vie sont mortes. Bon, en même temps, je les ai utilisées pour le dernier combat parce que je savais pas exactement comment le tuer. Par contre, je suis sûr qu'on peut pas le tuer. Allez. Mais crève! Putain de merde, c'est pas possible, il va. Il est indestructible, mon. Quoi là? Crève. Oh putain. Attention. Oula, attention, là il va utiliser la technique d'Electrima. J'appelle ça la technique d'Electrima parce que c'est stylé. Là il va encore utiliser la technique d'Electrima. Encore une fois, mais c'est pas vrai, tu vas utiliser une autre technique, oui? Oula! Wow, j'ai réussi à casser une tête, super! Wow! Wow, 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 calme-toi! Hop! Raté! Hop ça! Oh, c'est pas vrai, il a encore. Tu vas crever! Ça, lopard de chien à trois têtes, ou plutôt maintenant plus qu'à une, parce que le tête détruit l'autre. Nya-ha, tu es. Aïe. Attention, là, je vais l'avoir là. Hop. Mais non, c'est pas vrai ça. Ah. Viens, allez, viens. Maintenant. Hop. Attends. Attention, là je fonce. Aïe. Arrête de me donner des coups de griffe. J'ai le chien à la fin. Si là je t'ai pas, je suis deg. Oh oh. Ah non, là il va faire des coups de griffe. C'est pas bon ça, les coups de griffe. Arrête de faire des coups de griffe et viens par ici. Viens. Voilà, enfin. C'est pas vrai, putain. Oh non, c'est pas vrai. Ellipse. Mes amis, je suis complètement épuisé de ce combat. Il me fait quand même mal. Oh, 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 oh là. Donc ce combat est un des combats les plus durs, même si je suis sûr que non. Aïe. Hop hop hop. Raté. Ah tiens, en fait, on peut pas. C'est ultra chaud, mesdames et messieurs. Hop là. Ah, il m'a réussi à faire. Non, mais c'est pas vrai ça. Je vais me soigner encore une fois, donc j'ai utilisé absolument toutes mes étoiles. Je vais pas me soigner tout de suite en fait.
Mais l'absolu... Ah, là j'aime Sony tout de suite. Ah, c'est pas vrai ça. Ce boss est super dur. J'ai compris comment on tue. Oh. Arrête de me frapper là. Ah, là je vais l'avoir, je vais l'avoir. Aïe. Mais who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Cerberus, tu étais un énorme combat, un combat les plus durs que je n'ai jamais fait dans toute l'histoire du jeu vidéo. Un endroit, j'ai failli rager, j'ai failli rage quitte sur ce boss. Ça fait des mois que j'essaie de te faire. J'étais enfin battu, et tu me donnes enfin ta récompense. Enfin, j'ai cette arme. Je ne sais même plus comment s'appelle cette arme, mais trop bien. En plus, elle est de glace. Beaucoup de trucs. Comment on fait pour l'utiliser? Oh, attendez. Comment on fait pour l'utiliser? Ah voilà. Oh, trop bien. Oh oui. Oh, mais c'est tellement stylé. Mais c'est super stylé, je la garde. Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? This just keeps getting better and better. Oh! Mon dieu! J'adore cette scène. La scène du bazooka est la meilleure scène du monde. Je sais que les objets utilisés devaient avoir C parce que j'ai utilisé tous les objets que j'ai achetés, c'est-à-dire 5 objets, 5 étoiles de vie petites et 5 et 2 grandes étoiles de vie. J'ai utilisé tous ces objets-là. Rien que pour ce boss. Heureusement que tu me donnes cette note. Heureusement que tu me donnes pas un D parce que là je vais rager. Heureusement que tu me donnes un S pour les sphères. Je suis heureux. Déjà avoir ce Nunchaku, je crois que ça s'appelle, je ne sais même plus, mais je crois que ça s'appelle un Nunchaku. Avoir ce Nunchaku de glace va me permettre de... Merci, voilà. Et cette rencontre avec cette moto et avec cette fille, cette femme qui essaye de monter plus rapide que nous, mais nous on va pouvoir la dégommer très facilement, à moins que ce soit notre allié, peut-être, je ne sais pas. Donc cet épisode est fini, il a sûrement fait, ouais il a fait 40 minutes cet épisode, 40 minutes pour battre un boss, ça fait beaucoup, mais on a bien été récompensé et ça c'est le mieux.
J'espère que cet épisode, alors je crois pas encore, en fait il fait 40 minutes avec l'ellipse, mais j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, ça me fait toujours ultra plaisir, mais ça me fera encore plus plaisir là. Parce que ce boss, j'ai failli rage quit, tout simplement. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.